Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous procédons actuellement au recensement des cons. Oui. Je voudrais savoir, en ce qui vous concerne, vous êtes con, ouais. Écoutez, d'habitude, c'est ma femme qui s'occupe de ces choses-là, donc je vais vous demander. Chérie ! Excusez-moi, c'est pas votre femme, c'est un tabouret que vous avez. Ah, quel con ! Merci. Bonsoir. Il y a eu l'année de la femme, il y a eu l'année de l'enfant. 1982 a été désigné en haut lieu pour être l'année des cons. Je me trouve ce soir chez le professeur Macaulay-Luchard, qui a été choisi en haut lieu, pour organiser et pour superviser cette année des cons. Alors, tout d'abord, professeur, merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Et alors, j'imagine que si vous avez été désigné pour assumer cette lourde responsabilité, cette mission importante, c'est que vous devez être vous-même très con. N'exagérez rien, disons simplement que je suis un vrai con, ou sacrément con, si vous préférez. Oui. La première question que tout le monde se pose, c'est, en un mot, où sont les cons? Bien que votre question ne soit pas particulièrement conne, je vais tâcher d'y répondre. Voici la carte conographique de la France, qui nous montre assez clairement la répartition géographique des cons dans l'hexagone. En rouge, vous voyez les départements à forte densité de cons, en jaune, les départements à moyenne densité, en vert, les départements à faible densité conographique. Si l'on compare cette carte à celle de la répartition démographique, que constatons-nous ? Nous constatons qu'en France, c'est dans les départements les plus peuplés qu'on rencontre le plus de cons. Si bien qu'on peut dire qu'au niveau de la spécificité... Absolument. D'ailleurs, le con n'est pas immuable. Il migrate, comme nous le montre cette troisième carte. Nous voyons ici la répartition conographique estivale de la France. L'été, en effet, les cons rejoignent le littoral par ordre très serré. Ils s'agglutinent ainsi pour ne pas perdre, ne fût-ce qu'un mois par an, la chaleureuse promiscuité de la ville. Ils forment un conglomérat continu de Calais à Hendaye et de Port-Vendres à Nice. On dit alors qu'ils sont un peu cons sur les bords. Oui. Alors, seconde question que se posent tous les gens qui nous regardent, professeur Macaulay-Luchard, c'est à quoi reconnaît-on les cons? À sa façon de s'habiller. Ah bon? Enfin, disons que c'est le meilleur moyen pour ne pas se tromper. Ah bah, et comment s'y prend-on précisément? Bah, c'est très simple. Mettez 10 personnes dans une pièce, observez-les bien. Sur ces 10 personnes, il y en a au moins une qui est habillée comme les 9 autres. C'est un con. Est-ce qu'un con peut être déconifié? C'est pour ainsi dire impossible. Même s'il est pris à temps? À l'heure actuelle, si un con est décelé à temps, disons qu'une fois sur 100, il peut être traité. De quoi? De con. De con. Oui, c'est un film. Oui, effectivement. À vous entendre, professeur, on a l'impression que cette année des cons s'annonce très bien. Ah, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous, mais en effet, je touche du bois, ça me semble pas mal parti. Quels sont les grands événements qui vont marquer cette année des cons? Les événements habituels. De ce côté-là, nous n'avons pas changé grand-chose par rapport aux autres années, où tout s'est toujours très bien passé pour nous, nous le reconnaissons. Non, c'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort, puisque nous allons inaugurer le musée des cons. Un musée immense qui montrera toutes les œuvres réalisées par les cons depuis 20 ans. C'est énorme. Oui, on s'aperçoit que c'est considérable, bien plus qu'on ne pouvait le penser. Et quel sera le prix d'entrée alors de ces salles? 500 francs pour les cons, 10 pour les autres. Je ne vous cache pas que nous espérons faire une belle recette qui me sera d'ailleurs intégralement remise pour être sûr qu'elle ne soit pas intelligemment dépensée ou placée, ce qui serait trop con après tous les efforts que nous avons déployés pour organiser cette année. Alors, je crois qu'on peut dire quand même, professeur, que tout a été prévu jusque dans le moindre détail pour que cette année des cons 1982 soit une réussite absolument totale sur tous les plans. Je vous remercie, professeur Macaulay-Luchard. Quant à moi, il ne me reste plus... Quel con, là. Là, vous êtes trop con. Alors vraiment, c'est l'année. Merci.
Et maintenant, les sports. Allez, les garçons. Eh oui, ici, c'est la grande surprise, je dirais même la stupéfaction. Personne ne s'y attendait, pourtant c'est arrivé. Jean Bortensis, l'homme le mieux élevé du monde, vient à l'instant de perdre son titre. Je me trouve dans les vestiaires du château de Versailles où vient de se terminer la compétition. Vous le voyez, Jean Bortensis est assis derrière moi, marqué, très entouré par son épouse, son entraîneur, le duc de Saxe-Combourg, qui tente, on s'en doute, de réconforter celui qui fut durant 8 années consécutives l'homme le mieux élevé du monde. Pendant que Jean Bortensis récupère, je vous propose de revoir les principales phases de cette grande compétition. Tout avait pourtant bien commencé pour l'homme le mieux élevé du monde, très très applaudi dès son entrée sur la piste. Jean Bortensis, comme à son habitude, après quelques petits mouvements de relaxation, marque une petite halte dans son coin, comme il aime le faire. Le duc de Saxe-Combourg lui fait un rapide relaxing facial. Madame Bortensis, toujours là. Et puis, Bortensis monte sur le ring, très très à l'aise. Regardez, regardez la formidable distinction du champion. Cette manière de se tenir qui n'appartient qu'à lui. Il va se mettre en place pour la première épreuve, baise-main en fin d'après-midi. Regardez, regardez la très belle position des mains de Jean Bortensis. Et puis, mais que se passe-t-il? Il semble qu'il y ait un incident. Oui, le duc de Saxe-Combourg monte sur le ring. Ah oui, il y a fil, il y a fil. Saxe-Combourg, oui, parlemente avec le président du jury, vous voyez, qui ne semble pas vouloir pénaliser, non? Bortensis intervient à son tour. Non, le juge dit de continuer. Bortensis maîtrise cette contrariété et il reprend sa magnifique attitude. Il s'approche de l'italienne Tina, très jolie baise-main, qui semble satisfaire son entraîneur et son épouse. Maintenant, il s'approche de l'allemande Gutka, très beau posé de lèvres sur index. Et il va terminer sur l'hollandaise Gouda avec un baise-main qu'il conclut par un magnifique jeté arrière du pied. Voilà. Vous entendez les réactions de la salle, très chaleureuse. Vous allez maintenant voir ses notes. 7-8, c'est excellent. 6-9, il semble satisfait. Ah oui, il obtient d'excellentes notes qui le placent en tête dès la première épreuve. Et voici maintenant l'épreuve contenance avec cigarette et whisky. Et là, vous allez voir une erreur impardonnable de l'anglais Spence Seaton. Regardez. Erreur qui permet à Jean Bortensis d'effectuer un lâcher de fumée sans faute. C'est magnifique. Et cette épreuve lui donne 15 points de plus et le place en tête de la compétition. Nous allons voir les notes. L'anglais, bien sûr, est très déçu. 7-9, 7-9, c'est très bon. 9-7, même le juge roumain donne une excellente note. Et maintenant, ce sont les figures libres. Je vous laisse regarder Jean Bortensis. Cher ami, cher ami, comment allez-vous? I beg your pardon. Non, merci. Juste un doigt. Le champagne est délicieux. La soirée s'annonce douce et brillante. La lune s'est levée, mais votre chien est resté couché. Là, il va risquer un imparfait du subjonctif. À Moscou, il eût fallu que j'eusse... Parfaitement exécuté, comment va-t-il terminer? Connu le russe pour prendre le bus. Par un double bourriné, c'est absolument magnifique. Quelle maîtrise. Sa partenaire habituelle, Linda Bella, pénètre maintenant sur la piste pour l'épreuve difficile du tombé de mouchoir. Regardez. Oh. Permettez. Oh, excellent réflexe. Merci. Ah oh, oui, oh, c'est très bien fait. Il salue la foule et le jury. Et puis c'est l'épreuve fatidique du repas en tête à tête. Regardez bien, nous en sommes au fromage. Bortensis est assis face à son challenger, le russe Kotchakov. Les deux hommes sont tendus. Un retourné de goulot, bien exécuté mais nerveux. Kotchakov, qui a 15 points de retard, est crispé. Les deux hommes s'observent. Kotchakov a déjà fait 2 taches sur son plastron. Et puis soudain, c'est l'erreur, la faute incompréhensible. Regardez bien, voilà, c'est fait. Jean Bortensis a coupé son fromage avec son couteau à poisson. Le russe sourit, très peu sportivement d'ailleurs.
Et le ralenti nous le montre. C'est indiscutable. Jean Bortensis ne s'est pas encore rendu compte de sa faute. Cette fois, ça y est, il sait que pour lui, tout est fini. Et le russe Kotchakov devient l'homme le mieux élevé du monde, 1982. Jean Bortensis, tout d'abord, merci de nous accorder cette interview au sorti même de la piste. Bon, vous avez dominé la compétition de bout en bout. Que s'est-il passé exactement? Oui, c'est vrai, j'ai été très à l'aise durant tout mon parcours, mais cette fois-ci, Kotchakov a été mieux élevé que moi, c'est tout. Que comptez-vous faire maintenant? Bien prendre quelques jours de repos et puis reprendre l'entraînement, le toucher de fourchette surtout, et puis le baise-main en boubou pour les championnats africains d'Abidjan auxquels je dois participer. Quand partez-vous à Abidjan? Pour. Pardon? Quand partez-vous pour Abidjan? Pardonnez-moi. En février. Merci Jean, merci. Et vous, monsieur le Duc, on a dit beaucoup, on a écrit que vous aviez surentraîné Jean Bortensis. Qu'en est-il exactement? Cher ami, c'est absolument inexact. J'ai préparé Jean à cette compétition d'une façon tout à fait classique. C'est-à-dire? Eh bien, il a fait 5 à 6 cocktails par jour, dont 2 en ambassade, un week-end à Cannes alterné avec un week-end à Deauville pendant un mois, et bien sûr, dans les dernières semaines, 1 ou 2 vernissages en haute montagne, et d'une façon intensive, les sorties de messe à Passy, à Auteuil. Mais alors, comment expliquez-vous cette défaillance de l'homme le mieux élevé du monde? Ah, mais je ne l'explique pas, cher ami, je ne l'explique pas. Mais d'une certaine façon, elle l'honore, car elle rappelle ce que l'on oublie trop souvent, l'homme le mieux élevé du monde est aussi un homme. Merci, monsieur le Duc. Et vous, madame, pas trop déçue d'être la femme du deuxième homme le mieux élevé du monde? Ben si, ça fait chier. Non, parce qu'on s'est tout de même cassé les miches pendant des plombes pour qu'il la décroche, ça t'emballe à la con. Et puis tout ça, c'est pour mes fesses. Alors merde, on se fait vraiment chier. Excusez-la, elle est très fragile. Mais je comprends, je comprends. Eh bien, c'est sur cette image à la fois digne et mélancolique que je vous rends l'antenne. À vous les studios. Johannesburg. Selon un sondage réalisé récemment à Johannesburg, il apparaît à l'évidence que dans leur immense majorité, les Blancs et les Noirs d'Afrique du Sud sont contre le cancer. À l'issue de son entretien avec le pape, Johnny Settimo, le couturier du Tout Paris, a donné une conférence de presse de laquelle il ressort essentiellement que sa sainteté est un petit 44. Marseille, 6 minutes d'arrêt. Oh, pardon. Marseille, 7 minutes d'arrêt. Clermont-Ferrand. Non, ta gueule, mais moi, des nouilles. Météo. Demain, il fera beau sur l'ensemble du pays, sauf au 138 avenue Raymond Poincaré. Alors, salut, les nouilles, là. Merci. Quel homme grand, blond, aux yeux bleus, saura m'aimer un jour au cœur des criques sauvages de la Riviera au printemps? J'aimerais de préférence que ce soit le mari de Christiane Olafsen demeurant 14 rue Nationale 06 Lanapoule que j'ai rencontré hier au cocktail de Marapier. C'est moi Annie, la copine à Josiane. Je suis alsacien et j'en suis fier. Tout comme je suis fier de faire partie du petit lot de ceux qui aujourd'hui encore croient et respectent les vraies valeurs. C'est un foyer que je veux fonder. C'est une famille que je veux construire. Femmes fardées et filles libertines, abstenez-vous. C'est une femme de tête et de cœur responsable que je cherche. N'importe quelle femme de tête et de cœur responsable, du moment qu'elle est de gros seins et qu'elle mette des portes-jartelles. Je suis à l'antenne, là? Je suis à l'antenne? Ici Monique Granville qui vous parle de la maison d'arrêt de Fleury-en-Bière. Ici, c'était un peu l'affolement. Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas exactement quoi. Vous voyez la section des gardiens qui se prépare à intervenir. Nous espérons vous faire vivre en direct ce qui, je souhaite, ne sera pas un incident trop grave. Nos caméras sont sur les lieux depuis 2 heures déjà. Allô? Oui? Oui? Oui, on me signale que nous avons une caméra prête au QG des gardiens. À vous, Thierry! Alors avant tout, du sang-froid et de la tenue. Vous avez vos armes? Oui, monsieur le directeur. Monsieur le directeur,
pour la dernière fois et au nom de tous mes camarades, et devant l'inégalité des forces, faites un effort d'humanité, renonçons. Grand Jean, brigadier, vous en avez vu d'autres? Enfin, souvenez-vous, en 75. Monsieur le directeur, en 75, c'était une révolte et j'ai mené mes hommes au combat. Mais aujourd'hui, j'ai peur. Vous êtes ridicule, Grand Jean. Allez. Tenez-vous prêt. Alors, Prunier. Oh, c'est dur. La chef, c'est trop dur. Monsieur le directeur. Grand Jean, c'est l'heure. À vous de jouer. Bien, monsieur le directeur. Prunier, allez, on y retourne. Duchamp, Brunel, avec moi. Bonne chance, Grand Jean. Merci, monsieur le directeur. Allez, hop! Ce soir, nous vous souhaitons bonne année. Nous vous promettons de vous frapper beaucoup moins fort. C'est vrai, nous avons eu tort. Oublions le passé. Mettons-y de la bonne volonté. Nous les matons, les ratons, les petits patapons. Vous les fortiches, les belles ratiches, les dures de l'artiche. Promettons-nous toute cette année de bien nous aimer. Bonne année, bonne année, bonne année. Aujourd'hui, comment mourir sans dire des conneries? Par chance, si tout va bien et si le temps le permet, mon meilleur ami devrait mourir d'un instant à l'autre. En effet, vous allez voir, c'est évident que cet homme va mourir d'un instant à l'autre. Voyez déjà comme la vie semble vouloir s'échapper de son pauvre regard veut l'échafaud. Oh. Mais on sent aussi qu'il a envie de dire quelque chose, qu'il a envie de prononcer une ultime phrase. Or, il est très important de mourir sans dire des conneries. Afin que la veuve et la postérité gardent à tout jamais un souvenir ému du cher disparu. Car mourir sans dire des conneries, c'est la seule vraie différence entre l'homme et la bête. C'est la bête. Allez-y, mon frère. Je meurs. Mais je quitte cette vallée de larmes. Le cœur sera. Adieu. Oui, ben voilà exactement ce qu'il faut pas faire. C'est nul. C'est nul. Je meurs sans. Gna 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 gna. Madame, je suis sûr que vous-même, vous n'êtes pas capable de répéter ce qu'a dit votre mari avant de mourir. Ben non, parce que j'étais faire pipi, alors j'ai raté la fin. Et vous, le fils, vous pouvez répéter ce qu'il a dit? Ben il a dit. Je m'en vais. Non, je pars. Ouais, bon, vous êtes incapable. Il faut donc à tout prix éviter les platitudes. Moi, je sais pas, à votre place, j'aurais dit quelque chose comme... Quelle journée, là? Dimanche, puisque papa est mort. Oui. Eh bien, j'aurais dit quelque chose comme... mourir un dimanche, c'est un peu mourir deux fois. Oh, oui, ça, c'est joli. Ça, Marcel, t'as entendu? Fais comme le monsieur. Mourir un dimanche... C'est un peu mourir deux fois. Deux fois, papa, deux fois. Mourir un dimanche. Mais allez-y, vous le tenez là. Mourir un dimanche, ça compte double. Oh, il vaut mieux entendre ça que des sourds. Là, je vous fais pas dire, ma pauvre dame. Lors d'un prochain entretien, nous verrons ensemble. Comment être la plus belle à l'enterrement? Bonjour à tous. Et à toutes. Bienvenue dans la cuisine de Jocelyne. Alors Jocelyne, qu'est-ce que vous nous proposez de bon aujourd'hui? Eh bien Bernard, je vous propose un lapin à la prussienne qui est très agréable en hiver, peu onéreux et facile à cuisiner. Je me régale déjà. Alors il nous faut, Bernard, 100 grammes de farine. Voilà vous 100 grammes de farine, merci. Deux œufs de poule. Et deux. Oui.
un œuf de canne. Ah. Voilà. Vous mélangez deux oignons avec du miel. Oh, j'adore le miel. Je vous débarrasse. Merci, Bernard. Vous incorporez. Mmh. Vous mélangez à votre farine et à vos œufs. Mmh. Pardon. Voilà, merci, Bernard. Mmh. Vous mettez un petit peu de vinaigre. Un petit peu de vinaigre. Oui. Une demi-livre de beurre. Voilà. Et alors, 300 grammes de raisin sec. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça me semble très sympathique. Alors, vous mélangez le tout. Voilà. Oui. Merci, Bernard. Vous mélangez et vous mettez dans une casserole plate. Voilà. Ah. Vous mélangez bien. Ah, oui. Et vous laissez tranquillement mijoter à feu doux. Bien. Mmh. Ça sent déjà très bon. Une fois que votre plan de travail est débarrassé, vous sortez de votre réfrigérateur votre belle tête de veau. Bernard, si vous voulez me la passer, s'il vous plaît. Tout de suite, Jocelyne. C'est ça. Oui. Voilà. Voilà, merci. Présentez-la bien à la caméra. Oui. Voilà. Et tant que vous y êtes, vous me donnez le beau garenne qui est à côté. Merci, Bernard. Il est magnifique. Il est très beau. C'est un lapin pour 6 personnes. Bien, vous prenez votre tête de veau et vous la coupez en 3. Voilà. Vous essayez de bien maintenir la cervelle au fond comme ceci. Vous voyez, Bernard? Mmh. Comme ceci. Voilà. Et alors, pour ceux qui n'ont pas de pince à escargot comme celle-ci que vous devez utiliser, vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux. Voilà un œil. Voilà deux yeux. Et la langue. La langue, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez même utiliser la main. Voilà. Vous les préservez précieusement de côté pour tout à l'heure. Je vous les passe, Bernard. Tenez, Bernard, montrez-les à la caméra. Montrez-les à la caméra. Voilà. Très bien, merci Bernard. Bien, une fois votre tête coupée, vous la taillez en pointe. Et vous savez pourquoi, Bernard? Non. Mais si, Bernard, essayez de deviner, c'est très facile. C'est pour que votre lapin ait l'air prussien. Ah bon? Voilà, comment va notre sauce, Bernard? Pas mal. Mais remuez-la un petit peu, Bernard, il ne faut pas que ça attache. Oui. Voilà, remuez-la un petit peu. Tenez, venez me maintenir le cou de ce lapin. Moi? Oui, vous maintenez le cou. Voilà, je vais couper ce lapin en petits dés d'un centimètre cube. Oui. Mais il faut le faire très très vite pour que le fumet de la chair ne se perde pas. Plus vous irez vite à le découper et plus votre plat aura du goût. Ah. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Vous tassez en malaxant bien. Comme ceci, vous voyez, Bernard. Mmh. Et puis, vous farcissez votre tête de veau avec vos dés de lièvre en tassant bien. En tassant bien, n'ayez pas peur, vous tassez. Voilà, c'est presque terminé. Et maintenant, la sauce, donnez-moi la sauce, Bernard. Ouh, je me brûle. Vous versez la sauce par-dessus, la sauce bouillante. Et les yeux, vite les yeux. Vous décorez avec la langue que vous piquez avec les yeux. Voilà, et voilà votre lapin à la prussienne, prêt à servir et à manger cru pour 6 ou 8 personnes. Mmh. Merci Jocelyne, à la semaine prochaine. Lille, grâce aux efforts départementaux pour le repeuplement de la faune volatile, on a pu observer hier plus de 15 vols de canards sauvages au-dessus de Tourcoing. Coin, 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 coin. C'est tout? Non, il voudrait faire une grimace. Oui, je veux bien.